Ok, salut à vous très chers développeurs et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la notion de template string. Et dans cette nouvelle vidéo, on va vraiment introduire la notion des types de données ou les types de variables numbers. Donc on se retrouve directement sur notre IDE qui est Visual Studio. Et là, on va créer notre quatrième leçon qui est la notion des numbers. En JavaScript, ok, et là directement on va les référencer ici dans notre fichier HTML, index.html. On va ici mettre les types et numbers et ça sera notre quatrième leçon, ok. Alors dans les fichiers ici, qu'est-ce qu'on va ici faire, hein? On va ajouter un commentaire disant ici Quel type de données ici number, le type de données ici number, oups, le type de données number ici en JavaScript ça prend à charge le type de données number ici en JavaScript prend en charge tout type de données, ok, tout type de chiffres, et là on voit les entiers et les décimaux et tout nombre comme et les integers, on voit les integers ici. Et pour d'autres langages, on a les integers, les doubles, le float. Mais ici, pour déclarer le type de variable qui soit integer ou double, on les déclare avec les doubles et les numbers ici. Donc là, on déclare ici un nombre entier, ok, qu'on affecte 12, et on déclare ici le nombre décimal ici qu'on affecte ici 15.2. si on va faire console log un nombre entier, ok, on fait aussi console log qui est des nombres décimal, qu'est ce qu'on y trouve, ok, ça s'affiche ici, on a le nombre décimal et le nombre entier, on dit que tous ce sont des numbers, ok, un nombre en français. Donc si on essaie d'afficher ici les type of, donc les types de données des nombres entiers et les types de données des nombres décimales ici, si on tente d'afficher cela, qu'est ce que ça donne ici, on a les numbers et on a les nombres, donc tous sont des nombres, que ce soit décimal ou entier, ce sont des nombres. Comme ce sont des chiffres, si on va avoir quelques opérateurs mathématiques qu'on peut manipuler avec. Donc ici, on peut manipuler quelques opérateurs mathématiques parce qu'on a ici la notion des chiffres. Et là, on voit ici quelques opérateurs là. Ok, c'est pas tout, mais ce sont là les plus souvent utilisés. Je vais ici consologuer ici des multipliés par entre parenthèses, j'ai le nombre entier plus le nombre décimal et le tout, je vais le mettre à la puissance 3, ok. Et si je fais CTRL S, je vois ici on effectif pour moi les calculs directement. Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser ici les opérateurs mathématiques. C'est à vous de voir quel type d'opération que vous allez effectuer. Je vais ici déclarer une variable que je nommerai like et y affecter directement dans like 50 like, et si j'ajoute ici dans like j'ajoute like plus 1, j'aurai directement 51, ok. C'est comme ça qu'on peut y ajouter ici une interaction dans le variable ici. Je peux y ajouter ici les console log variable plus plus. Oups, rien ne change ici, je vois, ok. Donc on peut faire ici les console log, console log, et on dit ici variable like moins, non, je crois que c'est pas ceci qu'on peut faire. On peut faire d'abord, on fait d'abord les likes moins, et si on affiche les likes, qu'est-ce que ça donne,
Ok, ça donne 50. Donc, on a soustrait ici un des like. Ok, si on fait like plus plus et on fait console log plus like, on voit qu'on a ajouté. Ok, on voit qu'on va ajouter ici un sigle like. Ok, on ajoute un chiffre sur le like, ça devient 51. Et là, ça devient 52. Et on vient de les soustraire, ça devient aussi 51 encore. Alors, dans le like, on peut faire ici like plus 10 pour ajouter 10 dans les nombres qui se trouvent ici des likes. On ajoute 10 likes dans les 50 likes qui se trouvent ici, ça devient 61. Ok? On peut faire aussi de même manière qu'on peut faire ici la soustraction. On peut faire ici les likes moins 10. Si on ajoute, on affiche les likes, qu'est-ce que ça donne? 51, voilà. Et ça marche comme ça. On peut faire même la multiplication. On va multiplier les likes fois D. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne 102. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionnent quelques interactions avec les numbers. On va voir la notion de NaN. NaN, cela veut dire not numbers. Not a number. Donc, ça, ce n'est pas un nombre. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ce genre d'erreur ici? Si on fait console log ici, on ajoute bonjour le monde. Et on veut ici le diviser par D. Qu'est-ce que ça donnera ici dans la console? Not numbers. NaN. Donc, not number. Alors, le not number ici, on peut. Mais d'un autre côté, on peut faire la concaténation d'un string avec un number. Ok? De la même manière qu'on a trouvé un number, on peut faire ici la publication des blazes ici à. Si on peut voir ici. On peut concaténer ici les likes avec ici avec les likes qui est un number. Avec les signes plus, ça fait la concaténation, mais avec d'autres signes, d'autres opérateurs mathématiques, ça va faire quelques opérations mathématiques. C'est pourquoi on a trouvé un nombre. Mais ici, là, on a concaténé ici, notre variable. Ok, c'est tout pour la notion du nombre. Et je vous dis merci vraiment pour d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre ou à la liker. Et moi, je vous dis au prochain épisode.